loba da banuki ndomo makubola nkani kidenge mambia ichizi no mato deva okolo gonje okolo gombene kanereni nereni À la date du 17 août 2011, les amis de la nature, culture et environnement a décidé de s'installer dans la ville de Moabi. Moabi, cette petite ville qui se trouve au sud du Gabon dans la province de la Nyanga. Le département de la Duni est le fief de la ville de Moabi. Moabi, une ville carbone, une ville aux multiples biodiversités. Pour cela, dans le cadre du programme Homme Nature que les amis de la nature culture environnement ont lancé, nous avons installé nos bureaux dans la ville de Moabi. Dans l'ancienne gendarmerie où nos bureaux sont installés, nous avons décidé de nous mettre au service des populations pour mieux comprendre cette biodiversité, comprendre ces savoirs qui ont depuis longtemps aidé nos populations à gérer la biodiversité. Malgré toutes les lois que nous avons aujourd'hui, nous remarquons que la biodiversité est menacée en milieu rural. Et nous nous posons la question, pour quel rôle, pour quel but que nos combats sont-ils menés depuis des années? Alors, il est question aujourd'hui que nous essayons d'aller vers ces anciens pour leur demander comment ont-ils fait? Comment ont-ils fait pour arriver à conserver la nature? Pourquoi est-ce qu'à leur époque, les hommes et les femmes, les jeunes respectaient cette biodiversité qui aujourd'hui est dilapidée avec la vie moderne? Nous avons remarqué que malgré les lois qui existent, et pourtant nous avons des belles lois qui peuvent nous aider à gérer notre biodiversité, mais malheureusement, les hommes ont détourné leur regard vers la biodiversité pour tourner leurs yeux vers l'économie des rentes, l'argent. L'argent, un défaut de notre monde. Un défaut qui aujourd'hui menace nos forêts. Il faut aujourd'hui parcourir de grandes distances pour arriver à trouver la viande de brousse. Pour arriver à trouver une bête dans une forêt proche de la Mali, il est très difficile. D'aller en pleine forêt. On peut retrouver des écureuils, oui, des pigeons, des oiseaux, passé trois jours. Des bêtes, il est rare. Pourquoi? Parce que nous avons perdu nos valeurs. Nos valeurs culturelles qui nous amenaient à respecter l'environnement, qui nous amenaient à pouvoir avoir des temps, des dates et des périodes de chasse, de pêche et de culture. Aujourd'hui, la vie moderne est dénaturée. Il est important que nous puissions nous arrêter un moment et chercher à comprendre. Vous me voyez. Dans la matinée du lundi 29 août 2011 à 5h, nous avons parcouru plusieurs étapes avant d'arriver à la zone de notre mission. Il faut dire que, avant de commencer notre mission, nous sommes réveillés presque à 5h du matin pour faire tous les préparatifs. Il faisait encore nuit. Vous allez le voir même dans le premier film du diapo, il fait encore presque sombre. La première étape de la marche a été la rivière du Bandi dont le parcours nous a pris 1h30 de temps. La deuxième étape qui part de la rivière du Bandi à la rivière de Midofi pour un parcours de 1h30. Il y a une troisième étape qui part de la rivière Midofi à la rivière Mirongi pour un parcours de 2h. Enfin,
la dernière étape qui part de la rivière Nerungi à la rivière de Douami pour un parcours de 1 heure de temps. C'est trop quoi, hein? Tu vas enlever les chaussures. Je vais voir. Nous sommes à Bansi. Bansi. Et oui, regardez derrière moi. Il n'y a pas de ramener. Je vais m'en faire la caméra. Je vais venir. Je peux. Au rond. Au rond. Ma hache molle, ma hache déteste le bien. Je quand elle pleure, quand elle se fâche, ma hache molle le bien. Le soleil mord mon corps, ma hache déteste le bois et moi je déteste le bien. C'est comme un petit tour. Filme-moi un peu. Les gars, filme-moi. Filme-moi. Non, c'est la caméra. La caméra, hein. La journée est longue. La journée est longue. Moi. La fin du mois est terrible. La fin du mois est terrible. Arrête ça. Mes poches sont vides, je chante. Mes journées sont heureuses, je chante. Hey. Je chante. Je vais mettre mon mes doigts sont comme ça. Deux. Je n'ai point. Il va revoir la tendresse. Je n'ai point de famille. Des cauchemars, les pleurs des enfants qui ont faim et qui veulent chaque jour. Matin, ma hache mord le bois, ma hache déteste le bois, ma hache déteste le bois, et moi, je déteste l'air. Le soleil mord mon corps, je chante, les mouches piétaient sur mon sang. Je chante. Quel horreur.
Joy, voici la rivière. Pas mal, hein? On a même Nous sommes arrivés à Douamié presque à 11h01. Après un parcours de 6 heures. Nous sommes arrivés à 11h. Dans une forêt vierge, avec des collines au nombre presque de 10 à gravir. Comme Moulakou, qu'on appelle le campement, où les gens viennent pêcher. Dès notre arrivée, nous avons repéré le lieu où le bivouac devait être installé. On dépose les filets. Nous avons trouvé un ancien lieu de bivouac avec un fumoir vieillissant. Alors, il était pour nous de nettoyer ce site et installer les couchettes. Après l'installation des couchettes, nous avons pris le petit déjeuner. Mes membres de la famille, pour essayer de renouer avec la nature, démontrer comment est-ce que on vit en harmonie avec la nature. Vous savez que le fait de vivre en ville, on perd toutes les notions. Mais lorsqu'on revient, l'inspiration nous revient. On arrive à comprendre comment est-ce qu'il faut prendre soin de ces milieux. Ces milieux qui sont en danger de disparition, d'extinction. Le bas d'avant, voyez-vous-même. Le moment que vous l'avez dit, vous m'avez dit. Je suis venu à tout d'heure. Au Colombie. Au Colombie. T'as les rêves. Les rêves. Ma hache défie le bois, ma hache mord le bois, ma hache déteste le bois, je connais ma hache. Quand elle rit, quand elle pleure, quand elle se fâche, ma hache mord le bois. Le soleil mord mon corps, ma hache déteste le bois et moi je déteste l'air. Je vois déjà conserver les trucs de l'arc, hein, c'est j'arrête. Kabanza ou Boman, Biouj. La journée est longue, mais moi je ris. La journée est bénie. Mais moi, je chante. Des brousses, la fin du mois est terrible, je pense. La fin du mois est terrible, je chante. Mes poches sont vides, je chante. Mes journées sont rudes, je chante. Je chante. Mes doigts sont dansants, je pense. Je n'ai point de repos. Je n'ai point de sommeil. Des cauchemars, les pleurs des enfants qui ont faim et qui veulent chaque jour un peu plus. Un peu plus. De bon matin, je cherche ma hache. Ma hache mord le bois. Vers 14h30, nous sommes allés à la rivière de tremper les filets. Nous avons mis le premier filet vers le haut de la rivière et les deux autres vers le bas de la rivière. Il faut dire que nous sommes allés sans complément de repas. C'est le dernier film.